pour un titre mondial. En arrière-plan, on voit Cathy Fleury, qui fait partie du staff des entraîneurs. Première championnat olympique de l'histoire du judo. Oui, à Barcelone. À Barcelone en 92. Exact. Suivi de Cécile Novak. De pas loin d'ailleurs. Allez, c'est parti, concentrer les deux jeunes femmes. Allez, il y a un titre c'est au parti. Bout. Alors maintenant, on se réveille, on est là. Gevrise Emane, kimono bleu. Gevrise qui fait toujours son petit pas de décalage. Un petit peu pour désorienter son adversaire. Allez, il faut être concentré tout de suite sur l'attaque. Oui, c'est bien fait ça. Ça marque les esprits, ça. Oui, ça marque pas grand chose au tableau, mais c'est effectivement, ça marque les esprits. Ça donne le ton de cette finale. Et ça montre l'envie d'attaque et d'offensive de la Française en bleu, de dos à vous, qui se décale. Décale toujours. Qui n'a pas envie de se faire fixer. Elle pose ses mains à l'attaque, Gevrise. Elle n'est pas là pour, elle est pas là pour se faire des copines. Attention, attention à ça. Attention à ce travail au sol. Faut tout fermer là. Ça fait toujours peur parce qu'on voit pas très bien ce qui se passe, même si les caméras sont proches. Mais de là où on est, c'est un peu compliqué. Allez, Gevrise, il faut y aller. L'ambiance est lourde. Oh oui, il y a une lourde silence dans ce stade. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va partir en Eri Sonnagué à droite du côté français. En tout cas, plutôt Lipon Sonnagué qui est choisi. Mais c'était aussi à droite. Et c'est un mouvement d'épaule de toute façon. Et c'est Rousey qui subit pour le moment le rythme français. Elle qui mérite se fait cette pénalité. Et voilà, c'est parti. C'est normal. Elle n'a rien pas levé une canne depuis le début. Et elle subit la loi du rythme français pour le moment. Encore, c'est bien fait. Allez, on pousse. Elle tient debout, hein. Elle tient debout, notre américaine. Elle tient debout pour le moment, mais elle est assez, semble-t-il, dépassée par l'impact mis par Gevrise. C'est pas des solutions. Attention, quand on croise comme ça, et l'explosivité américaine qui a fait ses preuves tout au long de la journée. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'elle sait pas trop placer ses mains, notre ami Rousey. Ouais, je me méfie. Attention, oui, c'est bien fait. Oui. Elle y est. Pas. Coca. Petit coca, c'est. Alors on demande Ouazahari du côté des arbitres. Ouazahari du côté des deux arbitres de chaise. Vous pouvez pas bien le voir, nous on est mal placé. Ouazahari, c'est un énorme. Ouazahari ou Yuko? C'était Rabessa Yuko. Oui, parce que les arbitres ne devaient pas être d'accord entre eux. C'est Yuko, regardez comme elle pousse jusqu'au bout, elle accompagne. Un coca, un Yuko d'avance pour Gevrise dans cette finale à 3-15 de la fin. C'est plutôt bien parti. Très bien, c'est parti. Bien parti. Attention aussi, hein. On sait que. Attention aux fausses attaques, parce que là c'est un peu jeté à genoux. Gevrise qui joue bien le coup, hein. Elle prend la garde en premier, elle laisse pas son adversaire construire quoi que ce soit. Et puis dès que l'autre se sent à peu près à l'aise sur ses appuis au niveau des mains, eh bien elle attaque, donc l'autre ne peut rien faire. Pour le moment, aucune solution du côté américain. Attention parce que la Gevrise, elle adore le contre. Voilà. Elle adore. C'est ce que j'allais dire. Qui plus est, elle attend son contre. Elle adore contrer Gevrise. Attention. Mais attention, hein, c'est toujours. Pas se faire fixer, pas se laisser. Oui, regardez, vous avez vu ça? Comment ça a failli grimper du côté américain? Mais non, mais c'est normal, elle a attaqué, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, on se rhabille même pas du côté français, on tourne, on donne le rythme, on est intelligent, on gère le combat, on est en bout de manche. Voilà, on fait lâcher, et l'américaine qui n'a pas trouvé de solution. Attention, c'est bon. Laisse un petit peu faire au niveau attention, des mains. Attention, surtout de se faire bloquer. Hippon. Non, Yuko. Yuko. Ouazahari demandé en point. Yuko, un nouveau Yuko. Ah bah non. Bah, les enfants, là, c'est pour le du côté français, Yuko. Bah oui, évidemment. La personne qui fait l'attaque, excusez-moi, vous voyez vous même au ralenti. C'est la française, il n'y a strictement rien à dire quand même. Évidemment. Mais évidemment. Mais oui, évidemment. Oui, l'arbitre central qui demande qu'on rectifie le tableau. Et ça fait 2 Yuko à 1 du côté français. Et ça aurait pu être un peu plus haut. Il y a un titre au bout à 2-15 de la fin. Allez, Gevrise, allez. Continuez sur le même rythme. Attention sur les à attaques. Ça, Emane. Ça peut être considéré comme une fausse attaque. Faut faire attention à ça. Oui, puis en plus, l'américaine ça n'a rien fait pour ça le ça sert à rien de faire ça. Rien. Elle n'a rien fait. Donc une fausse attaque est pénalisable. Oui. Allez, on passe les jambes. Allez, on continue. On emmène au sol. 1,58 degrés. 2 minutes de la fin. Elle est solide quand même, cette américaine. Hein, puisque... Elle est solide, mais. Bon, elle trouve pas de solution. Tant mieux, mais elle est solide quand même. Hein. Oh my god. Oh my god. Tu fais bien, l'américaine. Oui. On est obligé avec ce qu'on nous met dans la tête. À longueur d'année. Aïe. Attention, pas de faute.
Mais c'est quand même, elle commence à avoir de la bouteille, hein, Gevrise. Contre, vas-y, continue. Allez, continue. Oui, c'est allez, ça, au sol. On la sent pas réellement en danger. Hein. On est un peu, pas fébrile, mais on est très attentif à tout ce qui se passe. C'est une médaille d'or. Et oui, c'est un titre mondial pour le judo français au bout, qui viendrait éclairer cette deuxième journée. Et puis derrière, il y a encore du lourd. Allez, 1.30. Allez, c'est bien. Finalement, c'est vraiment plus dur d'être derrière le micro. Elle est bien installée en bout de manche, là, Gevrise. Les coups de patte, elle est déstabilisée, c'est américaine. C'est bien ce coup de patte, là. Faut rééditer, ça. Les deux qui sortent, c'est pas... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Une 13. Tu vois, sur le coup de patte, là, c'est oui, une bonne ouverture. Oui. Le coup de patte, c'est le balayage qu'a fait Emane, hein. Pardon. Excusez-nous, des fois, on emploie des expressions ou des termes qui sont peut-être pas trop précis, mais on s'emballe un peu, quand même. Ça va être bien. Ça va être bien, ce petit coup de ceinture et de pantalon pour respirer, pour se conforter, pour se remettre dans son combat. Et regardez l'américaine qui regarde Emane. Très confiant, très concentré également. Hein. Oh, le gros plan. Oh, shit. Emane qui prend tout son temps et c'est reparti. Allez. Pas d'affolement du côté français, pas fuir non plus. Hein. Non, mais. Ouais, mais elle était presque à deux tours, elle a attrapé un pompon. Attention, on reste là. 58, on est dans la dernière minute, on est à 58. Médaille du titre dans la catégorie des moins de 70 kilos. Pas que tu recules, Emane, prends la garde, pas que tu recules. Attention, laisse pas elle est sur la section. Laisse pas emmancher. Elle va se prendre une petite moulinette, elle va se la prendre, elle va se la prendre la sanction. Attends, c'est pas fini. Non, mais 51. Allez, Gevrise. Oui! Voilà le petit coup de patte. Encore. J'y étais beau. C'est une belle ouverture, Emane. Continue à le faire. Elle est encore sur l'attaque. L'américaine qui s'énerve un petit peu, n'arrive pas à se dépatouiller. Ouais. Mais c'est une bonne solution le balayage. Il y a un trou là sur l'américaine. C'est une bonne solution. Allez, Gevrise, t'y est. 30 secondes. Encore attention, le coup de patte. Attention, faut pas sortir. Elle me fait peur. Non. Ah oui, ça me fait peur, moi. On y est. C'est pas une finale flamboyante, on est tout dans la gestion, mais c'est important, faut pas faire de boulettes. Il y a un titre au bout. Il faut rester calme. Je le vois pas. La manière dont l'américaine peut revenir, je sais pas. Encore sur l'attaque, Gevrise, elle va rester là, c'est pas grave, 14 elle secondes. Elle la prend. Oui, elle la prend, je te dis qu'elle allait la prendre. On s'en fout, elle a tellement d'avance. Oui, mais bon. Sûr. Allez, elle l'a même pas prise, alors vous imaginez. 9 secondes, allez, faut tourner, c'est pas grave. Mais prends le kimono et prends pas de risque, Emane. Prends le kimono et ne fuis pas. 7 secondes de la fin. Faut apprécier là pour un athlète quand on est dans ses seuls. On se dit dans 7 secondes, je suis championne du monde des moins de 70 kilos. Ouais, mais en fuyant, l'autre peut ramasser une jambe et ça peut. Regardez l'œil qui pétille. Allez, Emane, c'est pas fini. Voilà, Emane prend la sanction, c'est normal. Évidemment. Allez, faut apprécier ces dernières secondes, faut suivre. C'est pas grave. C'est fini, elle est championne du monde. Gevrise Emane est championne du monde de judo. Des moins de 70 kilos. Bravo, deuxième médaille d'or pour la France. Première médaille d'or pour l'équipe de France féminine. Quoi qu'il se passe, parce qu'elle peut être sanctionnée, mais là ça ne servait à rien du tout. Là. Elle est championne du monde de judo, deuxième médaille d'or. Ça assoit les débats. En même temps, il n'y a rien à dire. C'est elle qui a mis le rythme dans ce combat. Et regardez, elle est... C'est pas grave. Hein. Ne vous alarmez pas, c'est pas grave. Elle est quand même championne du monde, c'est rien du tout. Et pour l'américaine, c'est Desperate Housewife ce soir. Ouais, mais c'est bien. Elle est jeune, l'américaine, elle a tout le temps. Et Gevrise, elle avait déjà goûté au plaisir d'une finale il y a 2 ans. Regardez, elle est en larmes. On voit l'action, hein. Moro Tegari. Elle le mérite, Emane. Yuko. Ouais, c'est rien à dire, ouais. Techniquement, hein, c'est elle qui a été cherchée hein, tout le long du combat. Bien sûr, sans problème. Et elle contre cette américaine. Et elle la met sur le sol. Elle l'a dominée. Sur tous les plans, il n'y a rien à dire. Évidemment. Ah, c'est bien. Eh oui, la breloque, c'est pour toi, ma grande. Eh oui. C'est pour toi. C'est bien, bravo. Bravo. Que c'est bon. Deuxième médaille d'or, troisième médaille pour la France. On va enchaîner, regardez. Alain Frey, le médecin de l'équipe de France. Cathy Fleury, qui a connu ce bonheur, d'être championne du monde également. Et Gevrise Emane. Qui applaudit le public, qui applaudit son clan. Il y a beaucoup de Français qui sont déplacés à championnat. Regardez, Christophe qui est là,